Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo pour aujourd'hui, puisque j'en ai sorti une déjà ce matin, retour de Brocante. Sauf que dans cette vidéo, je devais vous parler de Épée et Bouclier Évolution Céleste EB7 qui sortira en août, fin août de cette année. Sauf que j'ai découvert un truc hier soir, et du coup ben, j'étais obligé de vous faire une vidéo là-dessus aujourd'hui. Ce sont les cartes V-Union. Alors, que sont ces cartes? Ce sont des cartes ultra rares qui fonctionneront par 4. Par exemple, vous avez le Zacian V, là, que je vous montre. Eh bien, en fait, ce sont 4 cartes d'une taille standard qui en forment une seule plus grande. Un peu à la manière des cartes Legends. Qu'on avait pour EarthGold SoulSilver qui fonctionnait par deux, il fallait assembler les deux cartes pour n'en faire qu'une. Et ben là ce sera quatre cartes. Alors comme vous le voyez, Zacian par exemple, il a les points de vie d'un Pokémon VMAX. Donc ce seront des cartes beaucoup plus puissantes. Elles posséderont, par exemple, Zacian possédera 4 attaques en tout. Puisqu'il a une attaque par carte normale en fait. Ensuite nous avons Mewtwo. Donc Mewtwo V Union. Donc voilà, 310 PV. Il a également 4 attaques et aussi un talent si vous voyez bien sur la carte en bas à droite. Je trouve que les illustrations sont exceptionnelles, surtout le Mewtwo, franchement j'adore. Et enfin, vous avez un Amphinobi. Lui, il a 3 talents et 4 attaques. Donc c'est celui qui a le plus d'attaques, on va dire. Et il a 300 PV. Donc voilà, pour la dernière carte V Union. Ces cartes-là sortiront dans des decks à thème à partir du 20 août au Japon. Donc on aura probablement un deck Amphinobi V Union, un deck Mewtwo V Union et un deck Zacian V Union. Et donc dans ces decks, on retrouvera selon le deck les 4 cartes du Pokémon, plus une carte que vous voyez là du professeur Pimprenel, qui permettra de chercher dans le deck jusqu'à 2 cartes et de les défausser. Et ensuite, il faudra mélanger son deck. Donc cette carte va être bien pratique. Pourquoi? Tout simplement parce que les cartes V Union, il faut avoir les 4 cartes dans la pile de défausse pour pouvoir les placer sur le banc. Donc cette carte du professeur Pimprenel permettra de défausser 2 cartes à la fois. Et donc avec 2 cartes professeur Pimprenel, on pourra défausser les 4 cartes et ainsi les jouer. On ne peut pas jouer une seule petite carte à la fois, on est obligé d'avoir la grande carte pour la jouer. Si j'ai bien compris. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je devais vous dire là-dessus. C'est tout ce que j'ai trouvé. Je trouve que les cartes sont vraiment exceptionnelles. Mais je sais pas si l'idée est bonne. Comment dire? Je trouve que 4 cartes, ça fait vraiment beaucoup hein, quand même. Si le concept marche bien, je pense qu'ils en mettront dans les boosters. Alors ce que je vous dis là, c'est que mon avis, hein, c'est moi qui l'invente. Donc peut-être que ce ne sera absolument pas le cas. Mais voilà, je pense, hein, si ça fonctionne bien, je pense qu'ils vont en mettre dans les boosters. Et donc, pour avoir les 4 cartes, sachant que ce sont toutes des ultra rares, je pense que ce sera très compliqué. Mais bon, peut-être pas, hein, peut-être qu'ils vont augmenter les quotas exprès pour qu'on ait toutes les cartes. Donc voilà, bah, je crois que c'est tout ce que je devais vous dire là-dessus. J'ai trouvé tout ça sur différents sites, hein, que ce soit Pokébeach, itech.fr, un truc dans le genre. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ben, j'essaierai quand même de faire une vidéo, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de temps.
mais une vidéo dans laquelle je vous parle de évolution céleste. Il faudra bien que je le fasse à un moment. Mais donc voilà pour les cartes V Union. Je trouve que les cartes sont vraiment très belles hein, quand elles sont assemblées, parce que si on n'en a qu'une, par exemple pour Mewtwo, si on n'a que sa patte, c'est-à-dire la carte en haut à gauche, c'est un peu dommage. Mais les quatre ensemble, ça fait vraiment quelque chose de très beau. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. En plus, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver là, donc voilà, il y aura du contenu. Et puis moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!